Bonjour Laurie. Bonjour. Ça va bien les enfants? Oui. Et vous à la maison, j'espère que vous allez bien aussi parce qu'on a encore une fois une superbe invitée avec nous. On a vraiment hâte de l'accueillir. C'est qui les enfants? Marie-Lune. C'est Marie-Lune! Bienvenue Marie-Lune! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Allô les petits chefs! Allô les petits chefs! Marie-Lune, on pourrait expliquer aux petits chefs à la maison qui tu es en fait. Oui! Ben, en fait, je suis une YouTubeuse. Puis moi, ce que j'aime faire sur ma chaîne YouTube, qui est les découvertes de Marie-Lune, c'est faire découvrir de la nourriture bizarre ou inconnue aux gens. Ça marche bien avec nous, oui, hein, les chefs? Exactement. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez comment on a connu Marie-Lune, les petits chefs? Oui. C'est comment? Dans les conventions. Dans les conventions. On est arrivé à ta table. Oui. Puis je me rappelle que tu avais dit « Hey Ben, c'est les petits chefs! » Puis moi, j'ai regardé ma conjointe, puis c'est comme « J'ai-tu entendu ça, les petits chefs? » On était vraiment surpris qu'on se fasse reconnaître parce qu'on était... pas autant actif qu'avant, là, mais ouais, c'était vraiment drôle. Mm-hmm. Puis moi, j'étais avec la gang des accros des jeux oui. À ce moment-là. J'avais reconnu Laurie puis Damien. T'étais déjà plus petit. Oui! T'as fait déjà quoi, 2 ans environ? Oui, environ 2 ans, ouais. C'est ça. Ben super cool! Alors, je te laisse au petit chef. OK! Et puis, tu vas pouvoir nous montrer ce que tu as apporté. Pas de problème! Excellent! Donc, je disparais dans 3, 2, 1! C'est depuis combien de temps t'es YouTuber? Ça va faire 7 ans bientôt que je suis YouTuber. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube par la chaîne de mon amoureux, qui est accro des jeux. Et par la suite, j'ai fait une autre chaîne YouTube. Et ça fait 5 ans que je suis sur cette chaîne YouTube-là. Fait que ça fait 6 ans et demi que je suis YouTuber. Quel est ton métier? Moi, je suis éducatrice à l'enfance. Ça veut dire que je travaille avec des tout-petits dans les garderies. Je travaille avec des enfants entre tout-petits bébés jusqu'à l'âge de 5 ans, jusqu'à temps qu'ils vont à la maternelle. Quelle sorte de vidéo que tu aimes tourner? Et c'est difficile comme question ça, Damien, parce que je fais toutes sortes de vidéos. Moi, ce que j'aime tourner, c'est des vidéos avec plein de gens. J'aime ça tourner mes vidéos quand je vais en convention, quand on s'est rencontrés en convention. J'aime faire danser les gens qui sont costumés. J'aime leur faire découvrir des nouvelles choses, comme ce qu'on va goûter un peu plus tard. Mais ce que j'aime aussi faire, c'est faire des vlogs. Est-ce que tu connais ça, des vlogs, les amis? Non. Non! Mais des vlogs, c'est moi qui prends ma caméra pour filmer ce que je fais dans ma journée. Donc, ça peut être comme aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, un vlog pour dire que je venais ici, chez les petits chefs. Ça peut être une journée que je fais mon épicerie. C'est un petit peu plus plate, ça, par exemple. Hein? Ça peut être mes journées en convention pour montrer l'envers des décors de mes vidéos. Donc, c'est ça un vlog. C'est moi qui parle de ma journée. Qu'est-ce que tu as moins aimé goûter? Ouh, c'est difficile parce qu'il y en a eu beaucoup des choses que j'ai vraiment moins aimé goûter. Mais une chose que j'ai vraiment pas aimé goûter, c'est les bonbons Harry Potter. Pourquoi? Parce qu'il y avait des saveurs qui étaient bonnes, mais il y avait des saveurs qui étaient très, très, très mauvaises. Il y avait des saveurs de vomi, il y avait des saveurs de crotte de nez. Il y avait toutes sortes de belles saveurs comme ça. Au tournage, j'ai eu à toutes les goûter au complet. Fait que j'avais un petit peu mal au cœur à la fin. Alors, on va faire un peu le même concept, Damien et Laurie, qu'on fait sur mes vidéos à moi, de Bouffe de Geek. J'ai plein de choses, puis tout qu'on a ici, ça vient tout du quartier chinois. Et c'est des bonbons et des sucreries japonaise que j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a des choses dedans que tu connais déjà? Oui? Tu connais déjà? Est-ce que tu as déjà goûté? Non. Non? Est-ce que tu veux qu'on commence par celui-là? Je vais le montrer. C'est des Pookie. Ça, c'est la saveur la plus qu'on retrouve le plus ici au Québec. C'est ça au chocolat. Est-ce que tu veux goûter à ça? Je vais l'ouvrir.
en premier. J'en ai plusieurs saveurs. Fait qu'après, on va pouvoir choisir d'autres saveurs si tu veux. Voilà. C'est une petite pochette comme ça. Désolée pour le bruit, les amis. Je vais t'en prendre que ça sent très bon. Tu peux en prendre un. Vas-y, le mets. Okay. Tu peux goûter. Moi aussi, je vais goûter. Qu'est-ce que ça goûte, les amis? Le chocolat. Le chocolat? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du chocolat? Un biscuit. Un biscuit? Est-ce que tu aimes ça? Oui. Tu aimes ça beaucoup? Oui? On va le mettre ici, là. Il y en a beaucoup à goûter. Les pokies, il y en a de toutes les saveurs. Moi, j'en ai apporté plein de saveurs. J'en ai apporté au thé vert. J'en ai apporté aux fraises. J'en ai apporté à l'orange. J'en ai apporté aux amandes et au chocolat. Laurie, je vais t'essayer de choisir la prochaine que tu aimerais goûter. Oh oh! Celle-là, je dois l'avouer, c'est mes préférés. Mes petits chefs, ça, c'est mes préférés. Et on ne les trouve pas partout ici parce que les pokies viennent du Japon. Désolée, je suis. Voilà. Ça se trouve comme ça. Il y a deux petits sachets. Celui-là, ils sont un petit peu plus petits, hein, que ceux qu'on a goûté. Ouais. Mm-hmm. Oups, je vais l'ouvrir un petit peu mieux que ça. Mais la même, tu peux en prendre un. Laurie. Hein? Ça sent bon, hein? Qu'est-ce que ça sent? Les noix. Les noix? Ah! Est-ce que tu trouves que ça goûte quelque chose que tu as déjà goûté? Moi, je trouve que ça goûte le Nutella. Est-ce que c'est ça? Oui. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est mes préférés. Parce que ça goûte le Nutella. Mm-hmm. Ensuite, Camille, c'est toi qui choisis le prochain. Aux fraises. Celui-là, j'ai hésité parce qu'il y en avait qui étaient en forme de cœur aussi, qui étaient aux fraises quand je suis allée les chercher. On va voir si ça goûte les vraies fraises ou si ça goûte des fraises qui sont moins vraies. Parce que souvent, au Japon, c'est ça qui arrive. Oh! Oh! C'est tout rose. Est-ce que tu veux l'ouvrir, Daniel? Tu veux? Ouais? Super! Ouais. Est-ce que ça sent bon? Oui. Est-ce que... C'est vrai que ça sent bon, hein? Un petit peu plus sucré que les autres, je trouve. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, hein? On va fermer la bouchée. Moi, je propose qu'on essaye ceux qui sont un petit peu plus bizarres. Celles qui goûtent le thé vert. Est-ce que tu connais ça, le thé vert? Est-ce que maman en boit des fois? Non? On va faire goûter ça, tu vas voir. Ça se peut que tu aimes ça. Ça se peut que tu n'aimes pas ça. C'est correct aussi. OK? Hein? On va faire ça. Et voilà. Oh! Oh! Est-ce que ça a une drôle de couleur? Oui. Est-ce que tu trouves que ça sent bon? Non. Non? Mais c'est différent. Mais ça, c'est un dessert pour les gens au Japon. Est-ce que tu veux goûter en même temps que moi? Oui. Un, deux, trois, go! Est-ce que tu aimes ça? Laurie, tu aimes ça? T'aimes pas ça, toi? C'est correct, tu peux le déposer si t'aimes pas ça. Je vais avouer, les petits chefs, que celui-là, c'est un de mes préférés aussi. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le thé. Il en reste un, les amis. Enfin, les pokies. C'est quoi? À l'orange.
à l'orange. Oh, pardon, les amis. Celui-là, les petits chefs, je ne l'ai jamais, jamais, jamais goûté. C'est la première fois que je le vois. Donc, il s'ouvre comment celui-là? Ah! Il s'ouvre comme ça. Il y a plein de petits formats comme ça. Oh oh! Est-ce qu'il sent bon? Ouais. Oui? J'ai jamais goûté celui-là. On va avoir la même réaction. Oh, il sent très très bon. C'est bon. C'est très bon, hein? Est-ce qu'il y en a un pour qui que c'est ton préféré dans les cinq qu'on a goûté? Celui au chocolat? Oh! Super! J'ai plein d'autres choses à vous faire goûter. Est-ce que tu as envie de goûter quelque chose de sucré ou de salé? C'est difficile! De sucré! Laurie, tu voulais goûter les petits pandas? Les petits pandas? Que eux aussi, on les voit souvent dans les conventions. Est-ce que tu en as déjà vu dans les conventions? Non. Non? Ça, c'est différent. Je vais vous montrer pourquoi. C'est des petits biscuits. Je vais vous montrer à la caméra. C'est des petits biscuits avec un petit dessin de panda dessus. Et à l'intérieur, il y a du chocolat. C'est un petit biscuit à la vanille. Ça, je suis certaine, Laurie et Damien, que vous allez l'aimer. J'ai pas d'ongles. Désolé, les petits chefs. Et voilà. Il y a beaucoup d'emballages, hein, au Japon. Il y a beaucoup, beaucoup de papier. Alors, tu peux choisir celui que tu veux. Mais avec le petit dessin qu'il y a dessus, tu peux le montrer à la caméra si tu veux. Laurie choisit le petit dessin qu'elle veut. Le petit panda, il fait quoi sur ton dessin à toi? Ah, moi, il joue au soccer. Et toi? Je pense qu'il... Oh, il fait de l'escrime, Damien, sur le tien. Mais oui. Alors, voilà. Super. Est-ce qu'on goûte? 1, 2, 3. Non, je crois qu'on coupe. Oh, une surprise dedans, hein? Est-ce que tu aimes ça? C'est super bon, hein? C'est des Hello Panda. Il y en a tout plein. Donc, on va dire à papa et à maman que tu peux... si tu aimes ça, tu vas pouvoir en acheter pendant les conventions. Quand tu vas en convention. OK, les petits chefs. On continue avec quoi? À quoi t'as le goût de goûter?